Salut à tous les popis et popitox, j'espère que vous avez tous la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 10e épisode de South Park, l'anal du destin. Et vu qu'on a le sort maintenant d'arrêter le temps, on peut capturer le hamster. Donc, c'est ça, pour être moi. Le hamster, c'est ça. Voilà. Voilà. Parfait. Maintenant, on va rendre le hamster à un tweak. Alors, est-ce qu'il y a un déplacement rapide ici? Ok. On va aller là-bas. Ça, je peux faire quoi? Correspondance trouvée. Et ça sert à quoi? Quelqu'un a dit problème? Ouais. Dégagez! Voilà. Ma mission est terminée, maintenant je dois partir. Bon, y a quoi là? Ah. Costume tempête, ok. Parfait. Essayez de changer de costume un petit peu. Alors, vêtements. Costume de tempête, ok. Avec les grandes tempêtes. Bon, pourquoi pas. À changer la couleur, je peux. Parfait. Changer de costume, ça change un peu. Bon, on va prendre. On va aller chez Truc. C'est le vengeur Peter. T'aurais jamais dû venir ici, super crétin. Je dois aller où? Ah, et le truc il était là-bas. Ok. Ok. Je suis le plus rapide de la ville. On va aller là. C'est génial. Parfait. Ça va prendre que 2 secondes. Hein. À plus. Alors. Quand tu le donneras à Twitch, fais-lui bien comprendre que quand on largue quelqu'un, on n'a plus d'ordre à lui donner. Ok. Bonjour, bienvenue au café Twig. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mais il est là, ce con. Ah, il s'est enfin montré raisonnable, hein? D'accord. Le voilà, son nom de merde. Bonjour. Le nouveau, c'est ça? Écoute, je vois que tu fais tout ce que tu peux pour que mon fils et son copain se remettent ensemble et... merci beaucoup. Avoir un fils gay, c'est bon pour les affaires. Je crois que ce qu'il leur faut, c'est une thérapie de couple. Tu pourrais en parler à Craig? Ensemble, on y arrivera peut-être. Ok. Je vais voir Twig. Qu'est-ce que mon père t'a dit? Il est inquiet! Je savais pas qu'il était gay, Twig. Enfin. Enfin, ce qu'ils veulent, hein. Alors. Je vais donner ça à Greg. Où est-ce qu'il est? Une thérapie? Twig veut que je suive une thérapie avec lui. Il rêve. Dis-lui que je ne ferai une thérapie que si tu viens aussi. J'ai besoin d'un soutien. Ok. Et dis à Twig qu'il peut se foutre sa thérapie de couple dans le cul si tu... Bonjour, okay. Bienvenue au café Twig. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Quoi? Une thérapie relationnelle? Craig, tu te fous de ma gueule? Bon, d'accord, j'irai. Mais seulement si t'es là. T'as l'air de réussir à le rendre raisonnable. Ok. On parle à monsieur Twig. Qu'est-ce que mon père t'a dit? Il est inquiet. Tu sais, c'est vraiment super de ta part d'aider ces deux garçons.
Oh, costume électropunk. Bah c'est bon, la mission est une réussite. Parfait. Fais voir les costumes. Vêtements. Electropunk. Oh, ça m'a l'air de. Il m'a l'air de claquer celui-là, tiens. Lunettes. Pourquoi pas. Donc, maintenant que ça a été résolu, il faut aller là. Voyage rapide. Alors, il faut que j'aille à la maison de Jamie. Ok. Allez, on va faire voyage rapide là. En plus. Allez, on y va. Je vais lui donner sa drogue à l'autre. Comme ça, nous dit ce qu'on veut savoir. C'est à quel endroit? Maintenant, Jimmy, c'est là. Les médocs de classie? Ouais, t'as intérêt à avoir mes médocs. Eh ben putain, c'est pas trop tôt. Merci Seigneur, j'en avais salement besoin. Si j'ai pas mes médocs, je vais perdre la tête et déconner un max. D'accord? Ok, ok, ok. Ça va beaucoup mieux. Bon, écoutez, l'endroit où vous voulez aller, c'est le Youstorit. C'est là qu'ils emmènent les chats. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bon, Kun, ici Quickie. Le nouveau a obtenu l'info de Classy. Pas mal le nouveau. Vous avez appris quoi? C'est le Youstorit au nord-est de la ville. Classy dit qu'ils emmènent les chats là-bas. Le Youstorit? On aurait dû deviner. Bon, gardez Classy à l'abri. Je vous rappelle bientôt. Bien compris. Quickie terminé. Regardez-moi ça, si c'est pas mon petit héros. Classy est une nouvelle femme. Il faut que je prenne un selfie avec mes petits héros. Allez. Youpi! Classy. Merci mon chou. On se retrouve sur le gras. Entre toi et moi, le Kun est vraiment un cassos. C'est sûr mon pote. Youpi! Et Jimmy. Ok. Ça va cartonner sur les réseaux. Tant mieux. Maintenant, il faut que j'aille. Ah, oh merde, la police. Pareil, tu nous as aidés hier. Le sergent voudrait savoir si tu pouvais nous filer encore un coup de main aujourd'hui. Pourquoi pas. Tu peux être d'un grand secours pour cette ville, petit, mais tu dois apprendre à respecter les règles. Ok, ok, ok. Par au détective Harris. Il est où le détective? Ah, il est là-bas. Ok, je vais lui parler. Nouveau? Oui. Que ce dont nous avons discuté hier, vous voyez. Tu pourrais repasser à mon bureau pour qu'on règle ça? Merci, vous voyez. Merci, vous voyez. Ok. Ok, ok, bah je vais y aller. Hop, t'es des sixièmes. Hey, petit CM1, viens jouer avec les ta gueule. Qui veut se faire tailler en premier? Moi. Je vais vous tailler. Je vais les tailler en pièces. Quelqu'un est prêt pour sa série dérivée, du moins pour la télé turque. Je le sens bien ce coup-là, les mecs. Ça allez. Va piquer un peu. Ah, il faudrait bien appliquer une pression sur ces blessures. Oh, le petit bébé va se mettre à chialer. Micro-agression.
frappe-le. Boum. Laisse notre ami tranquille, toi. Pour des CM1, vous êtes du genre bagarreur. Tu t'en es sorti comme un champion. Ouais, ouais. Capitaine Diamond, sois prêt à frapper. Fais semblant d'avoir mal et te regarde. Comment refuser de latter des CM1? Excusez-moi, mais je dois pisser dans un ballon. Fais genre de la bouillie. Bouillie, purée, peu importe. Oh. Merde. Ah. Hey, je suis aussi lent que quand j'ai trop bouffé. La malfaisance ne battra jamais le coup des sabords. Boum. Les enfures ne sont pas de taille contre nous. Bon, qui sera le suivant à part droit à ma rage? Aïe. Tu demanderas à ton petit copain de te masser. L'heure de diabète a sonné. Ça, hein. C'est mon tour maintenant. Dégueulasse. C'est un super Craig. Tiens. Méga coup de poing. Pas mal, Super Craig, mais il a l'air de décider la prochaine fois. Seulement si tu m'emmerdes pas la prochaine fois. Alors, j'ai conclu. Je pourrais faire quoi? C'est autour de... Ah voilà, c'est bon. Je t'ai coulé. Tu as sorti le braquemard de la justice. Ouais, KO. Content de cette bagarre. Parfait. Ah. Ah. Quand tu pètes, je trouve ça cool, le vengeur. T'es un vrai phénomène, le nouveau. On fait un selfie? Bien pris. Jennifer. Je vais être honnête, Esther ne tue pas, alors moi non plus. Me marque pas sur les photos, merci. Après s'attaquer à une femme des neiges qui s'assume, toujours la même rengaine. Nous, on continue le combat. Tu peux traîner avec nous maintenant que t'es célèbre. Waouh, t'as un max de followers pour un nouveau, le nouveau. Allez, photo Esther. Très bien. Tu peux me taguer sur la photo si tu veux. C'est quoi ce chat là? Ah, ok. Voilà, j'ai arrêté le temps. Kirby, super gay. Ok. Trouver et restituer tous les chats de Al super gay. Ok. C'est l'un de mes cerfs-volants. Youpi, j'espère que tu trouveras le reste. Apporte-moi aller au fur et à mesure. A plus. Je dois aller voir professeur Mackie là. Okay. Je vais y aller. Vu que j'ai rendez-vous avec lui. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Viens, Minet, Minet. Oh, viens, c'est à ma petit. Je vois qu'il s'est passé, mais je peux plus passer. Dommage. Ah, il y a un truc en haut. Voilà.
Donc je ne peux pas passer parce qu'il y a le couloir électrique. Merde. Ça fait super chier ça. J'ai les photos de Michon petit, mate-moi ça. Voilà. Non, ça marche pas. Ok, je peux pas y accéder pour l'instant. Oh, là. Mes parents se sont grave saoulés hier soir, c'était à mourir de rire. Parfait. Allez, on y va. Voilà. C'est quoi ce Neo Comicon? Je connais pas. Ce jeu de super-héros est gonflant. Écrit et mon pote, je t'ai laissé une nouvelle récompense. Ta mère a dit qu'elle la déposerait dans ton coffre. Ok. Parfait. Paré au décollage. Super, on a réussi. C'est l'heure du vol. Parfait. Bon, pour l'instant, je peux pas y accéder. Ok. Voyage rapide. T'as besoin d'un trajet express? Ouais, c'était où que je devais aller? Stockholm, ça va, non? Ah, City, ok, les chats. T'y vas ou quoi? 2 minutes. Donc, c'est où le commissariat? Ah, c'est là. Ok. T'as trop la tête dans les nuages? Je vais voir Al Super Gay pour voir ce qu'il me donne ou pas. Super! C'est comme j'ai un chat à lui. Qu'est-ce qu'elle a dit, Super Gay? Cette petite boule de poil de Bono est un vrai chasseur urbain. Il fait le tour du terrain de jeu et me rapporte des choses mortes. Merde. Ok. C'est pas là la maison de la Super Gay, c'est un peu plus loin. Ah, d'ici. C'est là. Je crois, hein. Ouais, c'est ça. Oh, mais où peuvent être mes minous chéris? Tu ne devrais pas te reposer tant que tu n'auras pas trouvé mes chatons disparus. Oh, j'ai pas la tête à faire des selfies en ce moment. Ok. Tu veux une raclée, le CM1? Non, non, c'est bon, je peux me battre, je perds du temps. Donc, on va interagir. T'as besoin d'un trajet express? Ah, ouais. D'accord, et t'as dit que l'endroit où sont les chachas. Ok. Ok, ok. C'est quoi ça, ces étoiles là? J'aurais pu prendre 7 millions de selfies déjà, sérieusement. C'est toi. Je vais pas t'entendre. Ok. Donc il a dit qu'il était dans le parc. Bon, on va y aller. Montrez-vous les petits chatons. On va aller au parc. Alors, il est où ce chat? La. Je sais pas s'il est là-bas. Je crois bien que oui. Hein. Je crois bien que oui. Ouais. Il est là. S'éloigner.
On va voir ce que ça fait. Non. Ok. Si je retourne là. Quoi, je peux pas retourner. Ah si. Mets le mode pause. Voilà. Ombre super gay. Et bon. Alors qu'est-ce qu'il dit? Mon chaton gay Boggy adore se promener dans les bois. Une vraie petite chatte d'extérieur, je l'aime tellement. Ah, dans les bois. Ok. Bon, je vais aller voir Al super gay alors. Je vais le voir, je vais le voir. Voilà. Certains de mes minous sont encore dehors à se faire pourchasser. Oh, t'inquiète pas, je vais retrouver tes chats. Il a dit, mon chaton Loki a hâte que le centre commercial ouvre. Il adore le shopping, quel fripon. Où sont cachés ces saloperies de chat? Ok. Je vais voir le centre commercial, c'est là-bas, non? C'est où? Il est où ce con de chat? C'est pas grave, on verra ça en route. Hein. On verra ça en route. Ici, PDPD. PDPD. Ici, PDPD. T'as besoin d'un Alors. D'un trajet express? Oui, ouais, ouais, j'ai besoin d'un trajet express. On va aller là. Faut filer vite. Allez, on y va. Parfait. Je suis plus rapide que Timmy, s'il te plaît. Donc faut que j'aille voir la police. La police est là. T'es censé être qui, toi? Un clown de rodéo? Ouais. Vas-y, passe. Merci. Fais penser à moi quand j'avais ton âge. Sûr, je prendrai une photo avec le petit adjoint. Détective Murphy. Parfait. Mets ça dans ton album. Elle est là. Alors, jeune auxiliaire de justice, t'en voilà. J'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser. En fait, l'enflure que t'as eue est tout en bas de l'échelle criminelle. On pense maintenant que le vrai caïd est quelque part par ici. Sur ton téléphone. Que j'ai dans la main. Merci de me laisser tenir ton téléphone pour te montrer ça. Il se cache dans le manoir de luxe qu'il s'est payé grâce au malheur des autres, la vermine. Là, ça change de niveau, jeune auxiliaire. Sa maison est une vraie forteresse. Toutes les portes et les fenêtres sont reliées à un système de sécurité de haute technologie. Tu vas avoir besoin de ça. Cet appareil de piratage portable t'aidera à franchir le système de sécurité. Bonne chasse, généraux. Ok. T'as porté atteinte à ses droits civiques avec enthousiasme. Tu feras un super flic. Merci. Merci, merci, merci. Donc du coup, il faut aller là-bas. Il faut aller là-bas. Là-bas, là-bas, là-bas. Donc on va aller à la maison de Token. Ah, donc un truc voyage rapide. Bien entendu. Faut que j'emprunte à la ruelle.
Ok. Allez, emprunter la ruelle. Il faut que j'aille tout droit. Pour emprunter la ruelle. Ah, des sixièmes. Alors. Tu veux que je te dise un secret, chérie? Non, merci, ça ira. Voilà. Il est là, le chat. Parfait. Voilà. Loki, super gay. Loki, super gay. C'est bon, je l'ai attrapé. Maintenant, je vais à la maison de Token. C'est notre jour de chance, super-héros. On dirait que le garde est parti pisser, là. Franchis le portail et fais le tour pour trouver un moyen d'entrer. Ok. Ah, le garde, il est là. Passez-moi. Foutez le camp ou je vous casse la gueule de manière non létale. Bah vas-y. Bah viens, je t'attends. Bah l'équipe de sécurité. Ça y en a qu'un. Il est KO là. Ah bon? Ah putain des chiens. Ok. Chauffez-le. Reculez avec le drone. Le chef est là. Ok. Boum! Un de moi. Produit déchire l'espace-temps. Non, mieux, il ouvre un trou de verre et lance un point quantique. C'est mieux ça. Ah lol. Tu sèmes rien du tout. Tu dégages et tu restes là où tu es. Vous venez juste d'attaquer un agent. Ouais. Aïe. L'excitation monte. Méga coup de poing. Boum. Ah, j'ai mal ça. Ne te laisse pas abattre, Trudic. T'inquiète. Dans le dernier jour du reste de ta vie. T'as l'air en forme, Kun. Tu peux le dire, diabète. Monsieur, je vais vous faire la tête de mon patron. Oh, si vous cherchez le coup, vous en répondrez devant ses amis, pas vrai, les mecs. Ah, ça fait mal, hein. À mon tour. Tiens. Prends-toi ça dans les dents. Oh, excusez-moi. Ça fait mal, hein. Hop. Ah, ok. Méga coup de poing. Boum. Ça se passe exactement comme je l'avais prévu. Me revoilà encore. Oh. Hey. Faites que ma cloison nasale ne soit pas redéviée. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? La
prochaine fois, je vous montrerai ce que j'avais en tête. Non, il sert à rien celui-là. Ça craint pour toi, le nouveau. Je vais propager la rage. Tiens. Ouais, je viens. Boum. Un de moins. Allez, acolyte, écrase-le. Ça va faire. Un chien en moins. Chaud devant. Ramenez cette enflure au niveau de lecture de Kyle. Lâche toutes les armes que t'as sur toi, criminel. Hein? C'était trop badass, ça, mec. Ok. À moi de jouer. Oh hey, voilà. J'ai pas fini de payer cet uniforme. Qu'est-ce qu'il y a à faire? T'es jeune, tu vas guérir vite. C'est pas une raison. Au cinquième dans mon cours en ligne, t'es foutu. Ouais. Boum. Police, police, à l'aide. C'est parti. Bonne nuit. Alors moi. Tu es le fléau et je suis le coude. Lâche-toi, nouveau. Ok. Voilà. Allez. Dégage. Hein. Oh, t'es vraiment doué à ce jeu. Bah heureusement, putain. Heureusement. En tout cas, une chose est sûre, ils sont bien KO. Donc. Je récupère le sac qui est là-bas. Voilà. Là aussi un truc. Est-ce qu'on a un truc que je viens de dépasser là? Ah non, c'est bon. C'était pas ça. Donc, il y a quoi dans le coin? Il y a rien là. Ce que je voulais voir, c'était les artefacts. C'est vrai que je suis en placement majeur, voilà. Je vais utiliser celui-là. Alors. Là, il y a quoi? Ça, c'est bon. Parfait. Là, il n'y a rien dans le coin. Là, je rentre dans la maison. Oula. Réponds au téléphone et utilise ton appareil de piratage pour désactiver le système. Je suis Jeff de Wolf Home Security. Est-ce que tout va bien? Bonjour, oui, pardon, j'habite ici. Je ne me souviens plus du code pour arrêter cette putain d'alarme. Oh, pas de soucis, monsieur. Est-ce que vous pouvez me donner le code de sécurité? Déplacement. Déplace ton objectif piratage pour localiser les signaux. Transfère les données piratées. Ok. S'il vous plaît. Est-ce que tout va bien?
Merde, comment je fais? Ah merde. Est-ce que tout va bien? Hypothèque ton avenir pour quelques tripes à deux balles. Ah chier, merde. Oh non. Sauter dans la salle des scellés quand on aura pincé le vengeur. What, je suis là-bas. Merde. Faut que j'aille dans la ruelle alors. Merde. Wouah, ça va pas être facile. Hey, petit Sema, viens jouer avec les grands. Non, 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 c'est bon. Je vais aller à la ruelle. C'est le mieux. Non merci, ça ira. On va aller là-bas. J'espère que j'ai pas encore abattre l'autre là. Quoi? C'est quoi? Hey, 200 dollars plus les frais. Oh, je me rappelle. Tu te rappelles le Runswell? Donc, on est là. On va à la maison. Je suis Jeff de Wolf Home Security. Est-ce que tout va bien? Oui. Oui, pardon, j'habite ici et je ne me souviens plus du code pour arrêter cette putain d'alarme. Oh, pas de soucis, monsieur. Mais est-ce que vous pouvez me donner le code de 7 minutes, s'il vous plaît? Est-ce que tout va bien? Comment on fait? Bouge le téléphone. Ah ok. Vous m'entendez? C'est bon, c'est bon. Oui, bien entendu, je l'ai ici. Attendez une seconde. Ah, flûte, laissez-moi regarder. Ah, pas le bon tiroir. Pouvez-vous attendre une petite minute, désolé. Pas de problème. C'est bon, je suis arrivé. Continue le piratage. Une petite minute, s'il vous plaît. Voilà. Auriez-vous noté le mot de passe quelque part, sur un carnet ou un bloc par exemple? Oui, je dois l'avoir quelque part. Attendez, je vais regarder dans ce tiroir là. Oh, il faudrait que je mette la main sur mes lunettes. Une seconde. Piratage de plus, merde. Vous m'entendez? Voilà, c'est bon normalement. Hacker d'élite. C'est peut-être mon deuxième prénom. Vous pourriez essayer avec mon deuxième prénom? Ok, vous savez quoi monsieur? On va regarder votre profil de compte et je vais vous donner un nouveau mot de passe. Si vous voulez bien patienter. Ben voilà. On a réussi. Par ces tentatives d'intelligence moyennement éduquée. C'est un grand classique. Ok. C'est verrouillé. Ok, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ah. Tu te rappelles Trapper Keeper? Sûr, je me rappelle. Oh ouais, j'adorais ça, je me souviens. Tu te rappelles avoir attaqué l'école pendant la dernière partie? Oh, je me rappelle, c'était fantastique. Voilà. Frigo, c'est bon. Y'a quoi dehors? Y'a tous les barbecues et tout. Dehors y'a rien. On va aller à l'étage. Il y a plein de Pacard. Hein. Donc là, il n'y a rien. Là, c'est le truc de token.
T'as une belle maison quand même, hein. Une belle maison. Et là, ça doit être là. C'est sûr à 100%. Attention avec celui-là, héros, c'est un coriace. Choisis bien ton moment. Eh, hey, t'es qui, toi? T'as pas le droit d'entrer comme ça. Vas-y, go, go, go! Ok. Bah, le caïd. J'ai un système de sécurité. Ça, c'est fait. Je vais vous faire un procès. K.O. Parfait. Excellent travail, Héro. Tu as tout compris au programme. Tu as assimilé ce qu'on fait et tu joins tes forces aux nôtres. Retrouve-moi au poste. J'ai quelque chose pour toi. Parfait. Du coup les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, et bien sûr faites ce que vous voulez, je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à la prochaine lors d'un nouvel épisode sur South Park, l'analyse du destin. Bisous les amis.